Kabore Alassane, adjudant de police. Présent. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de mérite burkinabé. 357 médailles made in Burkina Faso pour des Burkinabés qui se sont distingués à travers des services rendus à la nation. La cérémonie de distinction s'est tenue le vendredi 8 décembre 2023 à la Grande Chancellerie du Burkina à Ouagadougou. Ces médailles faites au Burkina Faso par un Burkinabé pour des Burkinabés traduisent la marque du développement endogène pour Alassane Kabore, le célèbre maître de cérémonie connu presque de tous. Il a été décoré au grade de chevalier de l'ordre du mérite du Burkina. Je suis fier donc d'arborer cette médaille Made in Burkina sur une tenue Made in Burkina le coq d'honneur, et l'histoire retiendra donc que c'est par nous ces médailles Made in Burkina ont commencé. Donc je dis merci aux autorités qui ont fait confiance donc à l'expertise nationale. C'est le consommant burkinabé qui est en marche, c'est le développement endogène également, une vision chère à son excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. Merci. Les récipiendaires du jour ont salué les autorités du pays qui ont reconnu leurs travaux à travers ces valeureuses distinctions. Pour toute personne qui vient d'être décorée, c'est des sentiments de joie et de fierté d'avoir cette reconnaissance de la nation après tant d'années de service rendu donc à cette même nation que nous aimons tant. Mes sentiments également sont des sentiments de reconnaissance et de gratitude au grand maître des ordres burkinabés, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui a bien voulu me décerner cette médaille. Médaille que je dédie à ma famille, à mon épouse, à mes enfants, à mes parents et à toutes les forces combattantes qui sont engagées au front dans la reconquête de notre territoire et dans la lutte contre les forces du mal. Ce sont des sentiments de joie, de satisfaction et de reconnaissance à l'égard de ces autorités-là qui m'ont fait confiance, qui m'ont distingué aujourd'hui parmi plusieurs milliers de Burkinabés qui méritent autant. Alors, je me rappelle encore que depuis le début du terrorisme au Burkina, on était encore sur le terrain. Jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve sur des terrains de 34 jours d'opération, des terrains où les mines, les attentats, les ponts cassés, tout était lésion. Le terrain était hostile et on a su vraiment tirer notre épingle du jeu pour pouvoir produire quelque chose pour les téléspectateurs. Et de là, si aujourd'hui on reconnaît que le travail que je faisais sur le terrain, et aujourd'hui, mérite cette médaille. Vraiment, ça me va droit au cœur. On va avoir accroché, en tout cas, cette médaille qui traduit déjà la reconnaissance des plus hautes autorités à ma modeste personne. Et je voudrais en même temps dédier cette médaille à mes collaborateurs pour le travail que nous avons abattu et à ma famille pour le soutien. Ces reconnaissances sont une invite de l'État burkinabé à ses récipiendaires et à l'ensemble du peuple à redoubler d'ardeur au travail vu le contexte sécuritaire du pays. Cette décoration est une invite pour moi à persévérer davantage dans tout ce que je fais, à exceller jour et nuit pour servir donc mon pays, le Burkina Faso. Mon souhait est que l'année prochaine, les récipiendaires qui seront décorés, que cette cérémonie se tienne dans un pays qui a retrouvé sa paix et sa stabilité. Et cette médaille traduit déjà l'engagement que nous avons et que nous n'avons pas le droit de reculer. Nous devons avancer pour que nous puissions engranger de nouvelles victoires. Au total, 206 médailles de l'ordre de l'étalon et 152 médailles de l'ordre du mérite burkinabé ont été décernées à des Burkinabés qui ont reçu les félicitations du chef de l'État pour le service rendu à la nation. Boima TV, l'autre télé, by Pro Org.